Sony nous présente son nouveau téléphone, le Xperia Z, qui a été annoncé au CES et qu'on peut prendre en main aujourd'hui, qui sera disponible en 3 couleurs pour 650 €. Première particularité, il est entièrement étanche. C'est pour ça que pour insérer la carte SIM, pour insérer un casque 3,5 mm, il faut enlever des petites protections comme ça partout. Il a la particularité aussi d'avoir un écran Full HD 1080p, c'est l'un des premiers en la matière, c'est en tout cas le premier qui sera disponible en France. Et il a une batterie, on va dire, haute capacité, mais ça doit être dans les 2300 mAh, batterie non amovible, et avec un mode d'économie d'énergie qui est assez intelligent. Alors je digresse, mais bon. Dans gestion de l'alimentation, on a ici un mode stamina. Par défaut, on a une autonomie qui est à 1 jour, 15 heures, et si je mets le mode, on est à 3 jours. À vérifier dans les faits si jamais c'est véridique. Mais en tout cas, le principe, c'est qu'on désactive la totalité des applications qui tournent en tâche de fond. Les mails, Facebook, Twitter, les widgets sur la page d'accueil. On a une waitlist et on peut justement gérer les applications qui vont quand même tourner quand on met le téléphone en veille. Le mode stamina ne fonctionne que quand l'écran de l'appareil est en veille. Peut-être juste encore un tour du propriétaire, un capteur ici Exmor RS dérivé des appareils photo. Alors là aussi, à voir dans les tests si la qualité est bonne ou meilleure que les fleurons d'aujourd'hui qui sont le S3 et l'iPhone 5. Un petit bouton ici en aluminium, le bouton power qui est placé côté droite. Alors à mi-gaucher, ça va être compliqué d'utiliser à moins de le faire dans ce sens-là. Les boutons on-off, ici pour la petite dragonne. 147 grammes de mémoire pour un téléphone qui reste quand même assez fin, mais relativement lourd, on le tient bien en main quand même. En termes logiciels, au point de vue logiciel, on est sous Android 4.1, mise à jour 4.2 prochainement, avec les personnalisations de Sony qui sont les mêmes que sur les autres téléphones de la marque et sur les autres tablettes. Au niveau technique, alors on vérifiera ça sur le site, mais c'est du quad core à la fois en GPU, à la fois en CPU. On est en Qualcomm S4 Pro. Sur le processeur, et on est en Adreno 320 sur le GPU graphique. Dernier point peut-être sur la partie photo, c'est l'un des premiers à prendre des photos et vidéos en mode HDR. Alors ça dépend des firmware, nous on n'est peut-être pas là sur le dernier en date, mais normalement si on va là-dessus, scène, appareil photo, appareil avant, bon je sais pas s'ils l'ont activé là-dessus, mais on est censé pouvoir prendre du HDR en vidéo, donc à voir aussi si ça a un intérêt. Sinon pour le reste, on peut simplement dire que la navigation dans les menus est quand même super rapide, donc ça c'est un bon point positif, que le téléphone est super fin, que la qualité de l'écran 1080p est plutôt bonne, mais c'est pas flagrant non plus, hein, quand on a deux téléphones, un en 1080p, l'autre en résolution normale, on saute pas de joie quand on est en 1080p. D'ailleurs si je prends un autre téléphone de la gamme, hop, ça c'est un vieux entre guillemets Xperia Ion que je remets sur le bureau. Voilà, on est censé voir la différence d'écran. On voit qu'à gauche c'est beaucoup plus lumineux qu'à droite, mais en même temps les noirs ont l'air moins profonds, mais en même temps on n'est pas sûr que ce soit un fond noir à la base. Donc là aussi il faudra vérifier si à résolution et à luminosité égale, on gagne en confort sur le Xperia Z. Donc à voir, sorti fin février en France chez les trois opérateurs, 650 € hors pack, environ 200 € avec abonnement.